Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'hab. Aujourd'hui on va checker un son qui s'appelle Allo Police. C'est l'artiste Maro qui s'appelle et ça provient de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est rap ivoire. Donc on va voir si c'est du rap ivoire, si ça fait partie de la culture. Oh, oula, déjà je vois Tam Sir en deux beats. Et ça commence déjà bien. Bon, Tam Sir, Tam Sir, désolé. Sam PC à la Real, Team Brain. Ok, on perd pas de temps. Donc voilà, on va écouter un peu de son en provenance de la Côte d'Ivoire. Donc on va aller voir ça. J'ai vu qu'il a pété quand même, hein. 214 000 vues en une semaine. Pas mal quand même. Il a combien d'abonnés? 12 000. Je connais pas ce gars. Et il pète autant comme ça. On va voir tout ça. KBL Studio Maro, je suis dehors. Wow, je me rappelle de cette soirée. Rappelle de cette soirée. Aux isolements de mon quartier, à nos plats du marché. Avec mes cendres de marché. Avec mes cendres de marché. Et c'est là que j'ai senti. Il y a quel âge le gars? Cette odeur qui m'a transporté dans ce couloir. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai composé le numéro. Allô police, j'ai vu tes bras très beaux. En train de fumer pas haut, ne crois pas haut. Et mon corazon très beau. Appelle CCTO. Appelle CCTO. Appelle CCTO. Appelle CCTO. DTO. DTO. Appelle CCTO. Appelle CCTO, appelle CCTO, DTO. Oh, je leur ai dit baba yo, fais-moi quand tu kiffes. C'est vrai que c'est étonnant. En fait, son style, sa voix, le tout, en fait, tellement t'entends pas ce genre de son, en fait, ce genre de voix, de style, que t'es étonné, tu te dis, mais ça va super bien en fait. Il a l'air hyper jeune, je sais pas à quel âge, gars. Il y a quelque chose, franchement. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en fait. Oh là là, gars. Il a une voix de dingue, de dingue. Je te jure. Faut penser aux voix. Je sais pas, il y a des voix. Je sais plus. Je pourrais même pas dire un artiste qui ressemble à ça. Mais il me fait penser à quelqu'un. Il me fait penser à qui? Ah, je te jure. Ça, c'est aux États-Unis. Hein. Soit il y a une. Non, non, il y a un gars qui chante comme ça. Je crois. Je crois c'est il y a quelques années de ça ou une dizaine d'années, un truc comme ça, mais en tout cas, celui-là, gars. Oula, oula, il m'a tué, HB. Bon, on a terminé. En fait, il y a un délire. En fait, il y a un délire spécial et sa voix, elle est hors du commun. Il y a lui, il doit faire des trucs genre incroyables, talent, les bails comme ça. The Voice, carrément, doit venir en France, gars. Il doit venir en France, aller faire les bails, lui. La musique, attends, je vais voir les commentaires arriver. Je sais que ce son va être ton son de lancement, mais ce que je te demande une fois là-haut, n'oublie pas d'où tu viens et fais tout pour ne pas redescendre. Balance la corde à des frères pour qu'ils te rejoignent là-haut. C'est à 4, c'est grâce aux autres qu'on devient quelqu'un. J'ai confiance en toi. Bonne chance à toi, frangin. Je suis pas ivoirien, mais je dois avouer que vous êtes fort. J'espère que vous irez loin. Vraiment, je suis fan de vous, mes frères ivoiriens. Vous êtes le centre de la musique West Africa. Félicitations et courage à vous. Je fais un peu de recherche sur toi et je comprends que tu as une particularité qui va te démarquer des autres gars du game. Ta voix, tes textes et surtout l'impression que tu es attaché à tes amis et ta copine qui t'ont aidé à parvenir à ce niveau. Garde cet avantage pour toi et sors des tueries comme ce tube. Big up, la musique ivoirienne est arrivée dans un niveau élevé, personne ne peut nous rattraper, force à vous, très chers artistes, trop fiers d'être ivoiriens, regardez nos talents, pouah, trop fort, continuez comme ça, fiers d'être ivoiriens, le montage, cadrage, mélodie, flow dégagé, le débascote, tout est bien fait, comme des prophéties, félicitations,
Et franchement, les gens, ils valident, hein, ils lui donnent grave de la force. Et on sent que le mec, il est prometteur, en fait, quoi. Et bon, c'est vrai que le son, j'ai pas. C'est pas mon truc, tu vois. C'est pas mon truc, tu vois. Je vais pas le retourner 40 000 fois, tu vois. Mais sa voix, ce que je sais, c'est si sa voix pose sur une prod de ouf, une prod calibrée pour lui, te parle même pas. Je parle même pas. En fait, tu sens qu'il y a du potentiel énorme chez lui. Tu sens que lui là, lui quand il va signer avec je sais pas qui ou avec je sais pas quel label ou il va fitter avec un gars, en tout cas lui il doit faire des hits. Tout ce que je sais que c'est lui il doit faire des hits. Ce mec-là il est prometteur. Donc déjà grosse force à lui, à Maro. Il est énorme, il représente grave la force, le futur du son ivoirien en tout cas. Et je te jure sa voix, sa voix, c'est obligé, tu vas la entendre encore et encore pour de bon. Donc franchement, grosse force à lui. J'espère que, comme ils ont dit dans les commentaires, qu'il va garder la tête sur les épaules et que, voilà, qu'il croit en son talent et c'est tout, point barre. Et qu'il fait pas de mauvais choix, tout simplement. Il a une grosse force de tir, on va dire. Il a une voix de ouf, il a une voix de ouf. Il sait chanter, savoir chanter, avoir un style un peu urbain, tous ces trucs-là. Tu connais les gens qui font des carrières comme ça, comme les Gims, comme des gars comme les Chris Brown, les trucs comme ça, tu vois. Les gars qui savent chanter, tu vois. Il y a toujours eu un truc spécial avec eux, comme les Drake, tu vois. Il fait du rap, il fait des trucs chantés. Il y a un style spécial avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, si jamais il peut être ce genre de tête dans le game ivoirien, il peut le devenir. Et est-ce que t'as entendu à la fin comment il était chiant, gars? Attends. En fait, leur frère, il revenait trop en boucle. C'est dommage, tu vois. Le son pour moi, il n'est pas hyper parfait, mais sa voix, elle est parfaite. Elle mange tout ce qu'il y a dessus, tu vois. Elle prend le dessus sur la prod, sur le type, le style, tu vois. Même si t'aimes pas trop, sa voix te fait kiffer le morceau, en fait. C'est ça qui prend le dessus et c'est énorme. Il a un potentiel énorme, ce gars. Magnifique, énorme sa voix, elle est terrible, gars, elle est terrible. Franchement, j'espère juste qu'il va faire les bons hits et les bons featuring, qu'il va prendre les bons chemins. Après, voilà, chaque chemin a son expérience de vie et forcément, le chemin qu'il prendra, ce sera son destin de sa carrière. Quelle carrière il va avoir, tout dépend du chemin qu'il va prendre. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce gars-là doit faire des hits. J'en suis sûr qu'il peut faire des hits internationaux, qu'il peut faire des gros featuring de fou. Bien sûr que lui, si jamais il continue à faire le buzz autant, les Français vont commencer à le chercher, là, tous les gars, les Ivoiriens, les gars un peu qui cherchent leurs sources, là, tu vois, africaines, qui vont fitter avec ceux qui sont de chez eux, entre guillemets, soit d'Afrique ou soit de la Côte d'Ivoire directement, ils vont aller le chercher, ils vont aller le fitter. C'est obligé. Ce gars-là, il a une touche. Il a une touche, tu vois. Au lieu d'aller chercher des ricains, on va aller chercher un gars comme lui, tu vois. Et si jamais il sait bien préserver son image, sa valeur, tu vois, en tant qu'artiste, etc., qui sache bien s'entourer, surtout. Franchement, ce gars-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il m'a tué. Franchement, j'ai jamais entendu une voix comme ça. Et lui, il doit faire des hits. Je te jure, je le vois grave avec des sons de DJ Khaled, des trucs comme ça. Ma vie, il y a un gars là qui est. Je sais pas, il a eu une intro de DJ Khaled, je sais plus comment il s'appelle déjà. Ça m'a choqué. Je sais plus, c'est un artiste, un producteur, je crois, ivoirien. Je sais plus exactement, je dis des bêtises. En tout cas, c'est un producteur venant avec des origines ou venant de là-bas. Il a un truc avec DJ Khaled, je sais pas c'était quoi exactement, mais en tout cas, tout est possible. En tout cas, voilà, je lui donne de la force. Tout ce que je souhaite, c'est de réussir et qu'il nous fasse kiffer. Je veux des gros tubes, mon gars. Je veux des gros hits. Il sait les faire. Voilà, je quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.